De la sensibilité, un art de voyager, un choc et une voix libre pour toujours continuer coûte que coûte. Bonjour Kiko. Bonjour Sébastien. Pour une heure ou deux, c'est votre nouvel album, mais nous allons aussi parler tournée, clips, vidéos et mésaventures, il faut bien le dire, mais vous avez su rebondir. Le style Kiko, c'est à la fois un voyage intérieur et un déplacement vers l'autre. Finalement, votre moteur dans la vie, c'est quoi Kiko? Détaillez-nous ce qui vous pousse à la musique tout le temps et encore et encore. Bon, bah écoute, on va discuter un petit peu de tout ça, on va parler de toi, on va parler de l'album pour commencer en vérité, d'accord. Une heure ou deux. Les deux petites choses importantes, c'est qu'il faut bien parler près du micro. Ok, pas de soucis. Ça c'est super important. Si c'est bon pour Et toi. Puis il faut qu'on se vous voit à l'antenne. D'accord. Ce qui n'est pas toujours évident quand on se ouais, voit ouais, bien. C'est... Mais là on est vraiment obligé. Ok, pas de soucis. ouais. C'est vraiment le truc super imposé, de plus en plus, hein. C'est pour pas être excluant par rapport à l'auditeur, tout simplement. Allez, on y va, c'est parti. De la sensibilité, un art de voyager, un choc et une voix libre pour toujours continuer coûte que coûte. Bonjour Kiko. Bonjour Sébastien. Pour une heure ou deux, c'est votre nouvel album, mais nous allons aussi parler tournée, clips, vidéos et mésaventures, il faut bien le dire, mais vous avez su rebondir. Le style Kiko, c'est à la fois un voyage intérieur et un déplacement vers l'autre. Finalement, votre moteur dans la vie, c'est quoi qu'il faut? Détaillez-nous ce qui vous pousse à la musique tout le temps et encore et encore. Marche dessus. Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un, c'est sûr? Y a-t-il quelqu'un pour sûr? Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un, c'est sûr? Y a-t-il quelqu'un pour sûr? Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un? Marcher au sud pourtant si loin, je vois bien, comme si de rien et ce bien ne m'appartient. Sur un va-et-vient, je profite du bas et du bien. Est-ce bien ce qui nous tient? Dis-moi c'est quand qu'on revient. Dis-moi si tu t'en souviens de ce refrain. Marcher au sud pourtant si bien, je vais loin, comme si demain ou jamais ne déteint. Sur un pas au point, je profite du pas et du point. Est-ce bien ce qui me tient? Dis-moi c'est quand qu'on revient. Dis-moi si tu t'en souviens de ce refrain. Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un, c'est sûr? Y a-t-il quelqu'un pour sûr? Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un, c'est sûr? Y a-t-il quelqu'un pour sûr? Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un? Marcher au sud, pourtant c'est rien, j'y suis bien. Comme si demain, on ne semait plus loin. Sur un va-et-vient, je profite du pas et du point. Est-ce bien ce qui me tient? Dis-moi c'est quand qu'on revient. Dis-moi si tu t'en souviens de ce refrain. Marcher au sud, pourtant si bien, je vais loin. Comme si demain, on ne jamais déteint. Sur un pas au point, je profite du pas et du point. Est-ce bien ce qui me tient? Dis-moi c'est quand qu'on revient. Dis-moi si tu t'en souviens de ce refrain. Marcher au sud, toujours plus loin. Marcher au sud, mais jamais ne reviens. Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un, c'est sûr? Y a-t-il quelqu'un pour sûr? Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un, c'est sûr? Y a-t-il quelqu'un pour sûr? Y a-t-il quelqu'un?
quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un, c'est sûr? Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un, c'est sûr? Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un, c'est sûr? Y a-t-il quelqu'un, c'est sûr? Y a-t-il quelqu'un au sud? Magie, 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 ça m'a calmé. Hein. Ça m'a... Ouais, c'est fait une petite frayeur. Ouais, ce jour-là. Maintenant on est là. Hein. C'est bon, ça se finit bien. Oui, ouais, dans le malheur, ouais, tout se finit bien. Encore en rééducation un peu, mais on reprend la route. Hein, comme on dit une fois. Donc Charlie, qui a rejoint l'équipe dernièrement, donc, qui est à la base et qui s'occupe de tout ce qui est son. Justement, donc, il faudra aller voir avec lui si c'est faisable. La salle qu'il voit par rapport au matériel. Okay. Voilà, puis Alex aussi derrière. Toujours. Derrière toujours. Donc comme prévu, je vous ai amené donc, les affiches pour faire la promo. Et donc tous les documents nécessaires par rapport au GUSO pour faire les démarches, les déclarations. Voilà, pour les déclarations. Bon, il n'y a pas besoin de contrat. Mais, oui. On sait, voilà, juste faire les. Voilà. Vous avez toutes les coordonnées dessus pour faire ce qu'il faut pour l'association. Généralement, quand on fait des signatures de livres, c'est lui, hein. C'est avec lui, d'accord, c'est pour ça. Viva la Musica en grand format. Musique Vue d'ici, c'est ce samedi entre 16h et 19h avec un coup de cœur maison de Viva la Musica. Il vous présente à la fois son nouvel album et puis un double événement concert, un showcase, un mini-concert à la FNAC de Perpignan et puis un concert avec caméra en prime à I sur tête à la Catalane pour samedi soir. Ce coup de cœur, c'est Kiko. Bonjour Kiko. Bonjour Sébastien. Alors l'événement, c'est évidemment ce concert à la maison puisque même si on vous voit aussi pas mal sur Narbonne, I sur tête est dans votre cœur plus que jamais. Alors ce concert ce soir à la Catalane, ce soir-là, c'est-à-dire samedi en réalité, à la Catalane sur tête, il sonne forcément un peu particulier, Kiko. Ah oui, c'est un retour à la maison. Ça fait, ça fait un petit moment qu'on voulait essayer d'organiser ça, et puis on a la chance maintenant de le faire ce soir, donc. Et donc c'est un vrai plaisir, voilà. Donc on est un peu stressé de revenir ici. Samedi soir. Voilà, samedi soir. Mais c'est que du... C'était différent de la tienne. Au bal musette, j'y allais souvent pour faire la fête. À bicyclette ou à pied, on s'y rendait. Moi, ma jeunesse est différente de la tienne. En boîte de nuit, en discothèque, toujours motorisé, surtout pas chaperonné. L'interdit, on le connaît, on aime bien le taquiner. Et toi, ta jeunesse est-elle plus belle que la mienne? Où vas-tu danser? Qu'est-ce qui te pousse à respirer? Les lois, le respect, vocabulaire oublié. Pourquoi si blasé par la parole de nos aînés? Et toi ta jeunesse est-elle plus belle que la mienne? Où vas-tu danser? Qu'est-ce qui te pousse à respirer? Les lois, le respect, vocabulaire oublié. Pourquoi si blasé par la parole de nos aînés? Respect.
respect, autorité était notre éducation. Mes règles à respecter, contraintes que nous acceptions. Libre de penser, de nos idées, de rêver. Juste à canaliser, pour ne pas nous fâcher. L'autorité, on essaye de la contourner. Blasé par vos idées, trop souvent oubliées. Prêt à vous respecter, mais toujours contester. Un manque de dialogue pour un manque d'autorité. Et toi, ta jeunesse est-elle plus belle que la mienne? Où vas-tu danser? Qu'est-ce qui te pousse à respirer? Les lois, le respect, vocabulaire oublié. Pourquoi si blasé par la parole de nos aînés? Et toi, ta jeunesse est-elle plus belle que la mienne? Où vas-tu danser? Qu'est-ce qui te pousse à respirer? Les lois, le respect, vocabulaire oublié. Pourquoi si blasé par la parole de nos aînés? Publicité, certes plus compliqué que vous ne l'imaginez. Manque de temps, de rêve pour exister. Sachez, chers aînés, garant la liberté. Et toi, ta jeunesse est-elle plus belle que la mienne? Où vas-tu danser? Qu'est-ce qui te pousse à respirer? Les lois, le respect, vocabulaire oublié. Pourquoi si blasé par la parole de nos aînés? Et toi, ta jeunesse est-elle plus belle que la mienne? Vas-tu danser? Qu'est-ce qui te pousse à respirer? Les lois, le respect, vocabulaire oublié. Pourquoi si blasé par la parole de nos aînés? Bonjour. Pas du tableau là. Bonjour. On est venu vous souhaiter la bonne année. Et surtout, vous remercier, puisque je n'ai pas pu être là pendant le jour où vous avez tourné. Donc, j'ai vu les images, c'est magnifique. Vous avez bien écouté Stéphane et bien suivi tout ce qu'il fallait faire. Et pour moi, c'était un vrai plaisir de voir ces images-là. Que la pluie tombe toujours ici-bas. Qu'en restera-t-il de tout ça? Qu'en restera-t-il de moi le jour où tu me verras baisser les bras? Kiko, retour sur un tournage de clip. À propos, pourquoi un clip? C'est difficile de le diffuser sur les chaînes musicales. En principe, à la télévision, ça sert à quoi un clip vidéo? Pour nous, si tu veux, on est dans une dynamique de création. Et l'art en général, on préfère ne pas mettre de frontières et de se dire on peut très bien faire cohabiter, que ce soit donc le dessin ou un visuel ou la musique. Et c'est un tout pour nous. Voilà, tout à fait. Et c'est de là donc qu'est née cette dynamique de création. Et on s'est retrouvés et c'est là qu'on a eu l'envie de mettre des images sur cet album. Et il vous est arrivé une mésaventure, une grave mésaventure, en tout cas ça aurait pu mal tourner cette histoire-là. Oui, effectivement ça aurait pu mal tourner, mais c'est vrai que maintenant je me dis c'est plutôt un signe aussi du destin, puisque j'en suis sorti changé, un peu différent aussi. Donc c'est une phase qui m'a fait évoluer aussi. Vous nous avez fait peur, Kiko. Oui, mais c'est vrai que... On va dire maintenant un petit coup de malchance sur le tournage, justement, sur le premier jour du tournage. Voilà, j'ai fait une chute assez importante, voilà, de 3 mètres de hauteur, qui m'a coûté donc une fracture de la colonne vertébrale et triple fracture du bassin, entre autres. Ouais. Voilà, opéré donc ici par tout le service hospitalier de Perpignan. D'ailleurs, je les salue et je les remercie, puisque
c'est un peu grâce à eux que je peux continuer et éviter le pire. À la croisée selon le vent. Donc effectivement, ouais, j'ai pas pu être là et parce que j'étais à l'hôpital, du coup, malheureusement. Mais vous m'avez apporté un soutien. J'ai eu les images, j'ai eu quelques bateaux aussi qui me sont arrivés le soir de l'opération. Et voilà, pour moi c'était un point d'honneur de revenir vous voir pour vous remercier, parce que vous m'avez quand même apporté énormément de soutien à travers ces images que vous avez tournées et ces quelques bateaux qui me sont arrivés aussi à l'hôpital. Et voilà, et pour moi c'était important de venir vous voir et de vous inviter. Donc j'espère que le 12 février vous serez tous au rendez-vous avec vos parents ou pas, mais au moins qu'on puisse vous voir et discuter un peu et vous montrer ces images du film. Se disperse en un souffle des plus éphémères. Je cours dans l'air et la moitié de moi s'y perd. Et ce souffle ne peut plus rien y faire. À travers ou à tort, je cherche encore la nuit. C'est comme toujours, je cherche et je cours. C'est comme toujours, après la nuit ou le jour. C'est comme toujours, je cherche et je cours. C'est comme toujours, après la moitié de nous. C'est comme toujours, je cherche et je cours. C'est comme toujours. Et ce souffle ne peut plus rien y faire. Je cours dans l'air, ne trouve plus les mots pour me taire. Et la vie ne veut plus rien en faire. À travers ou à tort, je cherche encore la nuit. C'est comme toujours, je cherche et je cours. C'est comme toujours, après la nuit ou le jour. C'est comme toujours, je cherche et je cours. C'est comme toujours, après la moitié de nous. C'est comme toujours, je cherche et je cours. C'est comme toujours. Comme toujours.
À travers Water, c'est Kiko sur France Bleu Roussillon dans Viva la Musica et cet extrait de son deuxième album pour une heure ou deux. Autrement, je peux vraiment vous dire que si vous n'avez pas la possibilité d'aller voir sur scène ce soir à la Catalane, à Y-sur-Tête, vous pouvez acheter l'album, je crois, sans hésiter. Vraiment très très bon. La Catalane, structure Eiffel, c'est une ancienne coopérative qui a été réhabilitée. On en a fait une salle de concert. Coopérative viticole. Fruitière. Voilà, des années 1900 qui a été réhabilitée. Parce que toujours et partout le même parcours. Parce que quiconque fait comme si de rien n'était beautiful. Parce que tout compte en fait, même un dimanche, je t'offre l'apéro et le son de la manche. Tu verras comme on traîne d'être ivre. Tout ça pour faire goûter au monde le son d'un type libre. Parce que la vie est un long discours. Et qu'on confond souvent au fond les bons discours. Parce qu'un fait n'est fait qu'en fait de si de rien. Tu verras comme on est bien de si peu de rien. Parce que tout compte en fait, même un dimanche, je t'offre un apéro et en son que je change. Mais la vie est belle faite de si de rien. Mais ma vie est faite de tout petit rien. Mais ma et celle faite de tout de rien. Mais ma vie est faite de si peu de rien. Mais la vie est faite de tout petit rien. Mais ma vie est celle faite de tout de rien. Parce que le ciel n'est que le reflet de nos sourires d'enfants. Un éclat de rire non retenu, amplifié par le vent. Nos carapaces d'hommes nous empêchent de nous rencontrer. Beaucoup de formes et de jeux de rôle sur fond de vacuité. Loin d'être des âmes isolées, on est tous intimement liés. Le bonheur ne se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. On se laisse de nous-mêmes, de poids ô combien inutile. Les yeux sur son nombril, les poches pleines d'objets futiles. Alors nos vies ricochent et ripent sans savoir la saveur de l'eau. Alors nos états d'âme nous guident sans mesurer l'impact des mots. Sans mesurer l'impact des mots. Démonstration de toute puissance à l'image de nos tireurs de ficelles. Je m'extrais de leur schéma allongé dans l'herbe. Je dessine le ciel. Je dessine le ciel. Mais la vie est belle faite de si de rien. Mais ma vie est faite de si peu de rien. Mais le bonheur, on le trouve pas, on le fait. La vie et celle faite de tout de rien, mais bonheur, la vie est belle faite de si de rien, mais le chemin est aussi important que la vie est faite de tout petit rien, mais le bonheur, la vie est celle faite de tout de rien. Avec pour tout, parce que Kiko est fait comme si tout n'était beautiful. Parce qu'un fait n'est fait, le fait de si peu de rien. Tu verras comme on n'est rien de si peu de rien. La vie est belle faite de si de rien. Mais le bonheur, on le trouve pas, on le fait. Ma vie est faite de si petit rien. Mais le bonheur, ma vie, on le crée, est belle de si peu de rien. Et belle, belle aussi de rien, mais le bonheur, on le trouve pas, on le fait. Ma vie est faite de si peu de rien, mais le bonheur, ma vie, on le crée. Et c'est fait de tout de rien, mais le chemin est aussi important que la vie. Ma vie est belle, belle aussi de rien, mais le bonheur, ma vie, on le crée. Et faite de si petit bien, mais le chemin est plus important que la vie. Et c'est fait de tout de rien, mais le chemin aussi important que l'arrivée. Et belle faite aussi de rien. Le chemin est plus important que l'arrivée. C'est bon. Moi c'est bon, c'est quand vous voulez en fait. Oui. On peut partir. Ouais, je pense. On peut demander aux gens alors de venir se rapprocher, se mettre un peu plus près peut-être. Alors on s'appelle Kiko, on est ensemble pour, je sais pas,
30 minutes, 40 minutes à peu près. Bon, vous connaissez déjà le début, alors si vous voulez chanter, vous pouvez y aller. Deuxième, on refait et je monte. Et là, j'attends qu'il me dise couper et il ne me le dit pas, donc je me dis bon, bah, il se dit peut-être que allez, je peux essayer d'improviser, je connais le truc. Là, je me dis bon, bah, allez, je prends un peu d'initiative, je vais voir de monter par-dessus le mur pour voir derrière. Et au moment où je pousse sur les jambes et que je tire avec les bras pour regarder derrière. Non, non, allez-y, pas de soucis. Non, non, pas de problème. Pas de problème. On attaque. Moi je prends un café lentille. Café. Un coca, s'il vous plaît. Et donc au moment où je tire sur les bras pour me lever, bah, le mur a lâché. Donc je suis tombé et donc fracture colonne vertébrale. Ah, quand même, t'es triple fracture du bassin, du bras. Donc moi de suite j'ai senti mes jambes, mais j'ai voulu me lever. De mettre 2-3 mètres. Et du coup, moi de suite, je me dis bon, ben ça va, je sens mes jambes, je vais me lever. Et Stéphane me dit non, bouge pas. Et heureusement, donc, du coup, les pompiers sont venus me chercher. Et la vertèbre, donc la L3, ici là, si tu veux, fracture donc sur le côté et sur l'autre côté. J'avais le morceau qui se baladait, donc je me serais levé, j'avais plus mes jambes. Ah ouais, d'accord. Donc ils m'ont immobilisé, donc ils m'ont opéré en urgence. Donc le tournage, on prend en l'air la sortie de l'album, on repousse, on met tout en stand-by pour le moment. Et voilà, et donc ils m'ont opéré, j'ai deux broches qui me tiennent trois vertèbres, une au-dessus, une en dessous et celle au milieu avec les vis. Et puis rééducation depuis le 23 septembre. Ah, moi j'ai vu, j'ai tombé. Te rappelles-tu de nos sourires en coin? Sur cette photo, jaunie pour rien. Qu'un tour du monde s'essaye au loin. À ne rien faire où en serrant les poings. Alors je déborde d'absence, emprunté en alternance. Je déborde d'absence. De nos sourires en coin, à se faire vieux en profondeur ou bien autour du monde, je reste loin. Drôle d'idée de venir en voisin, alors je déborde d'absence, emprunté en alternance. Je déborde d'absence. De nos sourires en coin, sûr que ce jour commence en vain. Autour du monde, je reste loin. Te rappelles-tu de mon sourire en voisin? Alors je déborde d'absence, emprunté en alternance.
je déborde d'absence. À ne pas tomber d'accord, ou bien tomber d'accord sur cette valse à mi-temps. À ne pas tomber d'accord, ou bien tomber d'accord sur cette valse à mi-temps. À ne pas tomber d'accord, ou bien tomber d'accord sur cette valse à mi-temps. Te rappelles-tu de nos sourires en coin? Sur cette photo, je n'y pour rien qu'un tour du monde. J'essaye au loin à ne rien faire ou en serrant les poings. Alors je déborde d'absence, emprunté en alternance. Je déborde d'absence. Sur cette photo, je n'y pour rien. Autour du monde, je reste loin. À ne rien faire ou en souriant aux voisins. Alors je déborde d'absence, emprunté en alternance. Je déborde d'absence. Ou bien tomber d'accord sur cette valse à mi-temps. À ne pas tomber d'accord, ou bien tomber d'accord sur cette valse à mi-temps. À ne pas tomber d'accord, ou bien tomber d'accord sur cette valse à mi-temps. À ne pas tomber d'accord, ou bien tomber d'accord sur cette valse à mi-temps. À ne pas tomber d'accord, ou bien tomber d'accord sur cette valse à mi-temps. À ne pas tomber d'accord, bien tomber d'accord sur cette valse à mi-temps. À ne pas tomber d'accord, bien tomber d'accord sur cette valse à mi-temps. À ne pas tomber d'accord, bien tomber d'accord sur cette valse à mi-temps. À ne pas tomber d'accord, bien tomber d'accord sur cette valse à mi-temps. À ne pas Ah mais là moi c'est vraiment c'est un rêve de gosse. C'est un de ses derniers, il a donné. Ah là. Voilà. Et alors là. Bon, j'ai pas été trop très original à l'âme d'amitié. Ah non, mais c'est. Au fur et à mesure, je parlerai de ton disque et tout, mais là. Là il... Regarde le t-shirt, il mettra la suite plus tard. Voilà, je comprends de quoi. Il y a de la place. Peut-être quelques paroles. Eh, franchement. Il y a une chanson qui m'a surpris aussi, mais jamais aussi il l'avait fait. C'est de. Je ne sais plus laquelle c'est. La 9e ou la 10e, je crois. Où elle s'arrête. Et puis elle, vous reparlez, vous ressentez. Allez, 30 secondes. Au bout de la 9e minute. Ah, la dernière. C'est la dernière. Sur la dernière, avec on s'est arrêté, il y a 10 minutes de blanc. La valse, et puis on fait, voilà. Oui, oui, bah ouais, c'était fait exprès ça. C'est, oui. On avait envie, c'est la même chanson que le titre de l'album, donc pour une heure ou deux. Et c'est vrai que c'est donc la chanson numéro 7, je crois, de l'album. Et j'hésitais entre les deux versions, c'est-à-dire une version calme et une version qui était beaucoup plus rythmée. D'accord. Et encore une fois, je me suis dit, bon, mais pourquoi se priver d'en prendre une plutôt qu'une autre, hein. Donc c'est peut-être une facilité de se dire, bon, ben voilà, on met les deux, on met une version officielle sur l'album et une version cachée derrière. Comme ça, les gens, après, voilà, se feront de l'interprétation qu'ils voudront. Ouais, c'est très court. Ça, c'est court. Les étoiles, les cils à son lieu, le temps qui se consume génère
décrire le vent quand il faut plonger, se perdre au mieux toujours silencieux. Moi ça m'étonne un peu, moi ça m'étonne au mieux d'être encore amoureux. Moi ça m'étonne pour une heure. Décrire la misère, fermer les paupières, les regards s'imposent chaque jour un peu épineux. Décrire à l'envers, au mieux dans les yeux, l'hiver qui vire un peu délicieux. Moi ça m'étonne un peu, moi ça m'étonne au mieux d'être encore amoureux. Moi ça m'étonne pour une heure ou deux. Décrire les étoiles, les syllabes ont lieu, le temps qui se consume généreux. Décrire le vent rond quand il faut plonger, se perdre au mieux toujours silencieux. Moi ça m'étonne un peu, moi ça m'étonne au mieux d'être encore amoureux. Moi ça m'étonne pour une heure ou deux. D'être encore amoureux, moi ça m'étonne pour une heure ou deux. Moi ça m'étonne un peu, moi ça m'étonne au mieux d'être encore amoureux. Moi ça m'étonne pour une heure ou deux. Moi ça m'étonne pour une heure ou deux. Pour une heure ou deux, ce fut le parcours du combattant artistique, pour Kiko, perfectionniste sûrement, respectueux du public assurément. Prenons du recul, Kiko, pourquoi est-ce que vous avez laissé autant de temps au temps pour cet album? Parce qu'il est très dur, Sébastien, de poser les choses à un moment donné. C'est vrai que quand on est en studio, on a deux possibilités. Soit on enregistre et on se dit, hop, allez, ça y est, maintenant on arrête. On regarde. Soit après, si on prend le temps de réfléchir, c'est des fois pas bon, puisque du coup, quand ça cogite trop. Voilà, ça cogite trop. Et quand on arrive à un résultat et qu'on se dit il manque encore peut-être quelque chose, du coup, c'est bien de prendre le temps de réfléchir, de refaire un tour sur soi-même et donc en introspection et de se dire voilà, quelle est l'étape que j'ai ratée pour que cet album ne corresponde pas vraiment à ce qu'on avait envie de faire. Donc c'est ce qui nous est arrivé, puisqu'on est arrivé pratiquement jusqu'à l'étape de mixage sur cet album. Et voilà, pour vraiment que la chose corresponde vraiment à ce qu'on avait envie de faire, on n'a pas hésité à arrêter, prendre un peu de temps et repartir pour donner le résultat que vous avez maintenant entre les mains. Pour une heure ou deux, on en écoute avec vous. Je m'en vais vous conter l'histoire d'une femme. Très très loin d'ici. Elle était souvent en tenue légère, ses pas parfaitement dessinés.
soleil. Mais elle s'en foutait. Car Mana nous disait qu'elle serait plus là demain. Mana nous chantait qu'elle serait partie au matin. Son enfant sur le dos, elle finira bien par excuser le soleil en jouant la marelle à pieds joints dans le ciel. Car Mana nous disait qu'elle serait plus là demain. Mana nous chantait qu'elle serait partie au matin. Car Mana nous disait qu'elle serait plus là demain. Mana nous chantait qu'elle serait partie au matin. Regardez les oiseaux aussi libres que l'air. Car Mana nous disait qu'elle serait plus là demain. Mana nous chantait qu'elle serait partie au matin. C'est 32, je suis désolé, on a un petit peu dépassé. T'inquiète, ce que je ferais, parce que la partie avec Jean-Luc, à la limite, je la mettrai en semaine. J'essaierai de la mettre en semaine, tu sais, un petit peu avant pour parler de la dédicace. D'accord. À la FNAC. Parce qu'on est partenaire de la FNAC en plus. Oui, donc ça peut être sympa, tu vois. Je dis, bah voilà, viva la Musica, samedi avec Kiko. Au fait, Kiko, vous le retrouvez en concert à la Catalane, dit sur tête, mais aussi en dédicace à la FNAC avec un auteur. Ouais. Bah tiens, Kiko, touchez-nous quelques mots de cet auteur. Bon, ouais, voilà. Si là, voilà, ça peut être sympa, quoi. Ouais, avec grand plaisir. J'aime bien parce que tu parles à ma place, c'est le top. C'est bien. Je vais t'envoyer un peu partout, moi. Non, parce que si on avait eu le temps, on aurait fait un petit truc pour la semaine, si tu veux, mais je crois que vous êtes un peu speed, là, vu que c'est 32. Bah, non. Vas-y, allez, prends 5 minutes. Vas-y. Christophe, il nous attend. Bah, je vais l'appeler, on est pas loin, de toute façon, en 2 minutes, on y est. Donc, ah ouais, t'inquiète. Parce que là, on peut se faire un petit viva la musica inédit, tu vois, ça peut être sympa. Allez, attends, je te régale. Il t'embraille direct, toi, Kiko, comme ça, on fait comme si tu étais là pour présenter un peu les deux événements. Et puis, on dit, tiens, mais vous serez aussi avec Jean-Luc Guerrera. Ok, je sauvegarde. Comment ça se fait-il? Et puis, puisque vous aimez aussi le football, nous allons aussi accueillir un auteur, Jean-Luc Guerrera. Voilà, oui. Scénariste. Illustrateur aussi parfois, il voilà, les deux garçons. Hein. Tout à fait, et puis surtout un grand ami du Narbonnais. Que vous avez croisé sur Internet. Voilà, tout à fait, on s'est rencontrés sur Internet et voilà, on a vraiment bien sympathisé. Droit au but. Avec l'OM, l'Olympique de Marseille. Voilà, tout à fait. Ça, c'est la BD, la dernière, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça, la BD de l'OM, donc 6 tomes déjà. Donc le dernier est sorti cet été et donc le nouveau est en préparation pour
pour le mois de mai. Alors, il fait des dessins, évidemment. Hein. Voilà, il fait des dessins, il est scénariste sur d'autres BD, puisque ce n'est pas uniquement un dessinateur de BD, c'est aussi surtout un scénariste de talent. Ouais, mais il vous a dessiné. Ah oui, vous êtes dans la bande dessinée là. Voilà, oui, tout à fait. Ouais. Sur le dernier tome, il s'est permis de se payer ma tête et c'est un vrai honneur pour moi d'avoir la chance de vivre tout ça. Il est avec nous, salut Jean-Luc. Jean-Luc Guerrera, illustrateur, salut. Bande dessinée, auteur par ailleurs aussi, évidemment, et puis grand fan de Kiko, pour une heure ou deux, c'est le nouvel album de Kiko, qui est disponible lui aussi. Alors c'est Jean-Luc qui va nous parler de Kiko à présent, puisque Kiko a fait le contraire. Aïe, aïe, aïe. Ah oui. Ben salut. Salut Jean-Luc. Ben oui, effectivement, donc j'ai la chance depuis quelques temps maintenant, quelques années même peut-être 2 ans, d'être dans le cercle, on va dire, des amis de Kiko. C'était une personne que j'appréciais, moi, sur Internet, qu'effectivement, j'aurais jamais même cherché à savoir s'il habitait à côté de chez moi. Comme et quoi. Il se trouve, ben voilà, il se trouve que... C'est fou, hein, parfois. Voilà, et il se trouve que manifestement, de son côté, ben pareil, on s'était contacté, ben lui, il me parlait de mes BD, et lui, moi, je lui parlais de sa musique. Mais vous l'appréciez? Ah ben oui, sinon, bon, ben, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais pas répondu, j'aurais fait la même. Kiko non, et Jean-Luc, un mini-concert, la présentation de Droite au but, la bande dessinée, le nouveau numéro, en réalité, sur l'OM, oui. Vous signez les dessins, hein, cette bande dessinée. Voilà, sur cette bande dessinée, je suis dessinateur, oui, tout à fait. Dessinateur, et on peut vous voir à la FNAC tous les deux, ce samedi à Perpignan, aux alentours de 17h30, et puis vous serez au concert de Kiko, bien sûr. Ah bien sûr, oui. Ouais. Pas de problème, à la Catalane, samedi soir. Merci Jean-Luc Guerrera. Merci beaucoup. Merci Kiko. Et puis on va vous écouter maintenant Kiko avec un extrait de Pour une heure ou deux, le nouvel album de Kiko. C'est un coup de cœur France Bleu aussi, on sait, vive à la Musica, musique vue d'ici. Si nous avions le choix d'être toujours à l'écoute, se laisser entrevoir, mon souhait, mon point de chute serait comme autrefois, un seul sourire à la fois. Toujours dans le doute, me protéger du froid. Mon souhait, mon point de chute serait une rime en soi. Rien d'ordinaire à tout ça. Il y a se plaire à contre-temps de regarder ce monde au tournant. Il y a se taire, bien évidemment, de laisser ce monde.
fait, je ferai des annonces en direct, hein, puisque c'est moi qui anime l'émission. Bon, mais super, c'est merci cool. beaucoup. Voilà, merci à toi. Le petit Viva, Merci à toi. Comment ça va, la petite famille? Bon, ça va, ça pousse, hein, dis-donc. Ça pousse, hein. Bah, toi aussi, hein, parce que le tien, il est un petit peu plus grand que la mienne, donc du coup, il doit bien parler maintenant et tout. Il est... il est fatigant. Ouais, ouais. Il est vivant. Allez, ça suffit, mec. Salut tout le monde, ça va là-dedans? Alors nous on s'appelle Kiko, on est ensemble pour une grosse heure sans coupure à notre rythme. Et ça s'appelle mes journées. Au matin, au réveil, je rêve encore. Décider d'apprivoiser sans respirer, d'expliquer mes journées. Au soir et sans soleil, je reste encore. Décider d'apprivoiser sans oublier de rêver vos pensées. Je rêve encore, décider d'apprivoiser sans respirer, d'expliquer mes journées. Au soir et sans soleil, je reste encore, décider d'apprivoiser sans oublier de rêver vos pensées. Because I walk like an alligator, I walk like an alligator, I walk like an alligator. Rastaman vibration, I walk like an alligator, and I walk like an alligator, walk like an alligator, when a Rastaman degeneration. Je dresse encore, décider de respirer sans espérer de changer vos pensées. Demain toujours pareil, se lève enfin, décider d'arrêter sans oublier de rêver vos journées. Because I want like an alligator, I want like an alligator, I want like an alligator. Rastaman vibration, I want like an alligator, I want like an alligator, I want like an alligator. In a Rastaman generation. Allez, n'hésitez pas à vous rapprocher, hein, c'est beaucoup plus convivial. But I am
Merci bien. Ça va, sur tête. C'est vraiment un plaisir d'attaquer la tournée et de revenir par ici pour une première date. Thank you.
Et réfléchir après, je te dis qu'il y a beaucoup de choses après qui m'ont suivi, qui ne se seraient pas réalisées si au final il n'y avait pas eu cet accident. Donc dans un sens, c'est un mal pour un bien. Savoir si l'air de rien, si toi et moi tout va bien. Comme tu m'as manqué, d'âme et tout ailleurs. Reste à vouloir se faire du bien, puisqu'ici tout va bien. Je veux pour snatch bien. Reste à vouloir juste pour demain. Si ce soir j'en fais rien. Reste à se voir en mal ou bien. Pas de quoi voir plus loin. Reste à pouvoir ne dire plus rien, savoir quoi faire de rien, reste à pouvoir jusqu'à la fin, si j'aime toujours mon voisin. Reste à rêver beaucoup plus loin, une vie synonyme ou bien rester seul l'hiver prochain. Voudrais aimer pour rien. Je sais que ce jour viendra. Rien de plus ordinaire. Savoir si l'air de rien, si toi et moi tout va bien. Reste à vouloir te faire du bien, puisqu'ici tout va bien. Reste à vouloir juste pour demain. Si ce soir j'en fais rien, reste à se voir, mal ou bien. Pas de quoi voir plus loin. Rien de plus ordinaire. Plus ordinaire. Rien de plus ordinaire. Je sais que ce jour viendra. C'est assez étrange comme sensation. Allez, c'est à vous. Bah écoutez, moi je vous dirais pas que je suis à 100%, mais pas loin.
Mais il y a des périodes ou des moments où, changement de temps, je vais rester couché ou je ne vais pas pouvoir bouger. Mais après, voilà, c'est vraiment la sensation d'avoir de, par moments plus surtout de grosses courbatures qu'autre chose. Vraiment de... Mais au changement de temps, ouais, je déguste un peu. Ça a l'air super. On n'a pas le même enregistrement. En fait, la douleur, elle est quand je fais ça, c'est quand je, quand vous relevez. Voilà, quand je me redresse, là j'ai un point de tension ici. D'accord, et quand vous vous penchez en arrière. Et non, pas plus que. Non. Non, pas plus que ça. Très bien. Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un, c'est sûr? Y a-t-il quelqu'un pour sûr? Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un, c'est sûr? Y a-t-il quelqu'un pour sûr? Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un? Marcher au sud pourtant si loin, je vois bien. Comme si de rien et ce bien ne m'appartient. Sur un va-et-vient, je profite du bas et du bien. Est-ce bien ce qui nous tient? Dis-moi c'est quand qu'on revient. Dis-moi si tu t'en souviens de ce refrain. Marcher au sud pourtant si bien, je vais loin. Comme si demain ou jamais ne déteint. Sur un pas au point, je profite du pas et du point. Est-ce bien ce qui me tient? Dis-moi c'est quand qu'on revient. Dis-moi si tu t'en souviens de ce refrain. C'est sûr, y a-t-il quelqu'un pour sûr? Y a-t-il quelqu'un au sud? Y a-t-il quelqu'un, c'est sûr? Y a-t-il quelqu'un pour sûr? Y a-t-il quelqu'un...